Il y a des pères autoritaires et des filles soumises. Des pères tellement on ne discute pas, on fait ce que je dis, qu'ils ont même organisé à leur façon la vie de leur enfant. Patricia vient ce soir tenter de se libérer ici, face à vous, car elle n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire convaincre son père face à face. On accueille Patricia, on l'encourage, parce que dans quelques instants, son histoire, ça va savoir. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Vous avez 24 ans, vous êtes secrétaire dans un garage. Tout à fait, oui. Vous êtes fille unique. Oui. Ça a son importance. Oui, tout à fait. Et Patricia a souhaité venir parce que sa vie était difficile, pénible. Vous ne pouvez plus supporter, entre guillemets, la tutelle de papa? Ouais, c'est un peu ça. C'est carrément ça. En fait, ce qui se passe, pourquoi je suis ici ce soir, c'est parce que mon père a l'habitude de gérer un petit peu tout et de gérer en particulier ma vie. Pas que la vôtre, donc. Non, la vie de tout le monde. Ouais, mais c'est son tempérament. Voilà, c'est son tempérament. Il est comme ça avec tout le monde, avec ma mère, avec ses collègues, ses amis. Uh-huh. Et il a décidé, en fait, pour mon bien, donc c'est vrai qu'il pense que c'est pour mon bien, il a décidé, il a envie de me caser, il a envie que je rencontre quelqu'un pour mon bien. Il a pensé à quelqu'un en particulier. Qui s'appelle Frédéric, en fait. C'est un très bon ami à moi, qui est le fils de son meilleur ami à lui, qui s'appelle Jacques. Et... Ah oui, je vois très bien la bonne idée, c'est-à-dire que c'est le fils de son copain. Voilà, exactement. Donc, en disant comme ça, on pourra donc, rester reste, amis longtemps voilà, ensemble. Exactement. Ouais. Ça a l'air un peu... Mais c'est comme ça, ça paraît plus simple pour lui, plus simple, il pense que c'est bien pour tout le monde. Quoi. Et pourtant, vous avez 24 ans, mmh. et vous vous dites que... Vous pourriez faire ce que vous avez plutôt envie de faire et ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez faire. Ce n'est pas du tout, non. Je ne veux pas du tout me marier tout de suite, je ne veux pas du tout me caser tout de suite, encore moins avec Frédéric, même si je l'adore. Et ça, il ne le comprend pas du tout. J'ai beau essayer de discuter, c'est impossible de discuter avec lui. Vraiment, vraiment pas du tout possible. Et vous pensez que ce soir, il va mieux écouter, il va mieux comprendre? Bah, j'espère. Parce qu'il va s'asseoir ici, à côté de vous. Oui. Et que vous allez lui dire, vous allez lui dire quoi? Bah, je vais lui dire que j'ai envie qu'il comprenne que je suis grande, j'ai peut-être que 24 ans, mais je ne veux pas faire tout le temps ce qu'il me dit. Ouais. Que je n'ai pas envie de me caser, que je n'ai pas envie de me marier, pas avec Frédéric, ni avec personne pour l'instant, mais pas avec Frédéric. Donc arrête, quoi, toi et Jacques, arrêtez de me bassiner. Quoi. Arrêtez de... Moi, je suis convaincu, mais si lui... ne vous comprend pas depuis très longtemps, pourquoi est-ce que vous pensez que tout d'un coup, les choses vont changer? Parce que j'ai jamais réussi vraiment à lui parler, j'ai jamais réussi vraiment à lui dire, c'est surtout ça. Il vous laisse pas. On n'arrive pas à discuter ensemble vraiment, quoi. C'est pas possible. Bon. Patricia, vous avez souhaité que votre papa vienne. Mm-hmm. Votre papa, c'est Michel. Oui. Mais Michel va venir aussi avec, avec Jacques. Jacques, donc, qui est le père de Frédéric. Ah oui, Jacques est le... Oui, Jacques est le père de Frédéric, en fait. Et donc Jacques, de son côté, avec son fils, fait la même chose. Et tous les deux, ils sont très amis. Ils gèrent les choses tous les deux un peu ensemble. Pour moi, je suis peut-être la petite fille encore. Frédéric, c'est peut-être encore un peu le petit garçon. Et ils veulent notre bien pour nous. Et donc, tous les deux, ils sont dans le même bateau, quoi. D'accord. En fait. Donc, vous voulez prouver que vous êtes grande. Il reste maintenant à le convaincre, Michel et Jacques, que l'on fait venir. Bonsoir Michel, bonsoir Jacques. Alors nous allons essayer de suivre cette aventure. Jacques, vous êtes le papa de Frédéric qui n'est pas là. Non. Et Michel, vous êtes donc le papa de Patricia. Patricia nous a dit, papa, j'ai envie de lui dire quelque chose, je n'y arrive pas. Patricia, tentez votre chance. Mais en fait, papa, Jacques, ce que je voulais vous dire... c'est que j'aimerais que tous les deux, et toi, papa en particulier, c'est que j'aimerais que tu arrêtes en fait, de vouloir gérer ma vie, de vouloir me caser, de vouloir... J'arrête de gérer attends, ta attends, vie. Excuse-moi, laisse-moi juste... Tu me fais venir ici pour me... Je voulais juste... Et en particulier avec Frédéric, que j'adore, c'est ton fils, je l'adore, tu le sais très bien, vous le savez très bien, mais arrêtez, quoi. Je suis grande et j'aimerais qu'on ait la chance, en fait, que vous compreniez que... Faut mettre du lest, quoi. Faut me laisser... Tu parles d'une bonne nouvelle, toi. Tu nous fais venir ici pour nous annoncer ça? Mais on n'arrive pas à se parler, papa. Tu n'arrives pas à me parler? Mais non, on n'arrive pas. Il faut qu'il y ait du monde comme faites ça un pour effort. Me parler. Faites un effort, Michel, écoutez, s'il vous plaît. On n'ose pas le ton. Allez-y, Patricia. Non, mais sérieusement. C'est quand même inadmissible. Non. Ça fait des mois que tu me parles de ça, ça fait que tu penses qu'à ça. Tu mais il faut bien que tu te casses quand même, une fille, c'est fait pour se Michel. Marier. Mais ça n'a rien à voir, Mais comment ça, non? Papa.
papa, ça n'a rien à voir. C'est plus la même époque. Maintenant, ça n'a rien à voir. Tu sais très bien. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire exactement, Patricia? J'aimerais que vous compreniez tous les deux simplement que je veux vivre ma vie. Je veux que Frédéric vive sa vie. Tu veux vivre toute ta vie? Non, je ne vis pas ma vie. Tu es tout le temps en train de me dire ce que je dois faire, en particulier dans ma vie amoureuse. Je ne veux pas. J'ai 24 ans. Je ne veux pas me caser. Ta vie amoureuse, mais dis donc, avec les fréquentations que tu as, il me semble que le. Quoi, les fréquentations? Non, attends, ça n'a rien à voir. Mais justement, mais c'est. C'est mes fréquentations, ça te regarde pas, quoi. C'est pas sans aucune méchanceté. Mais justement. C'est... Mais quoi, justement? Justement, tes fréquentations, si tu avais de bonnes fréquentations, peut-être je n'aurais pas vu Jacques pour avoir. Des... Ouais, mais papa, mes fréquentations, c'est mes fréquentations, c'est pas toi. Je veux dire, les garçons avec qui, les mecs avec qui je sors, c'est moi, c'est ma vie. J'ai pas envie, j'ai que 24 ans, je suis jeune, quoi. Oui, mais en attendant, tu es sous le toit familial. Et tu es bien contente quand il y a des problèmes que je sois là pour les régler. J'ai pas dit le contraire, je suis d'accord, j'ai pas dit le contraire. Je respecte ce que tu fais, je respecte l'éducation, mais c'est trop. Au bout d'un moment, c'est trop. C'est pas. Non, mais c'est. Ben ouais, non, mais c'est. Pardon. Hein? Ah, ça c'est sûr, hein? Non, mais ce que oui, une assemblée presque que de jeunes, papa, alors papa. C'est certain. Mais non, ça n'a rien à voir. Oui, oh, ben, hey. Papa. On voit ce que ça peut donner, hein? On voit ce que ça peut donner. Ça donc moi, avoir... j'ai donné une bonne éducation à ma fille pour qu'elle ait un travail et tout. Mais oui, mais je sais c'est que pas pour tout foutre avoir... en l'air par rapport à des fréquentations malsaines que tu as le actuellement. Fait, je veux simplement décider de ma alors, vie. Alors on te présente un beau parti. Le fils de Jacques. Mais je veux pas, je suis pas amoureuse de lui, je l'aime pas, ça n'a rien à voir. Arrête de décider pour moi. C'est pour ça. Mais vous êtes toujours ensemble. Depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, vous êtes cul et chemise, toujours ensemble. Exactement, l'amitié, ça fait 10 ans. Et maintenant, aujourd'hui, tu me dis ça. Vous connaissez depuis longtemps. Mais on se connaît depuis longtemps, mais on s'aime pas. C'était il y a 10 ans, exactement. Je veux choisir moi-même. Il aurait peut-être fallu qu'elle me le dise aussi. Ton père, il a donné une bonne éducation. Moi, j'ai donné une bonne éducation à Frédéric. Mais vous voulez tout le temps tout gérer, tout le temps pour nous, pour les jeunes. Vous pensez que c'est comme ça? Et maintenant, il a un beau métier. Et alors, ça n'a rien à voir le métier, je suis d'accord. Il gagne bien sa vie. Je sais, ça n'a rien et toi aussi, tu as été bien élevé grâce à mon ami. Jacques, je dis pas le contraire, je dis pas ça. Oui. Je dis pas... Oui, Patricia. Oui, elle a eu une bonne Patricia. Éducation, oui. Peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est le cas pour elle. Oui. Patricia. Patricia. Dernier Romain, c'est terminé. Hein. On a peut-être oublié de dire quelque chose qui est important pour mieux comprendre Michel et Jacques. Michel et Jacques sont des amis dans la vie, mais pas seulement dans la vie. Vous êtes également collègues de bureau. C'est-à-dire que vous ne vous quittez jamais, quoi, au fond. Non, on se quitte. On c'est le hasard de la vie. On dort pas ensemble. Et justement, non, c'est pas un complot. Pas ensemble, hein. Non, on réfléchit, on a pensé que si nos enfants se mariaient ensemble, justement, ils formeraient un beau couple. Mais Jacques, oui, mais vous, hein? Vous avez pensé... Et nous, on serait contents d'être grand-père. Mais oui, mais Jacques, vous avez pensé, c'est toujours par rapport à vous. Je suis d'accord, c'est pour notre bien, mais c'est mais vous c'est qui pensez. Mais c'est pour votre bien qu'on non. a fait ça. Mais je veux c'est pas... l'ingratitude des enfants, ça. Hein? Je veux pas que vous disiez... On leur donne une bonne éducation, on leur donne... Et puis voilà. Oui, mais... Dis donc, Patricia. Hein, mais papa, je veux, oui. pas, je veux pas que vous pensiez pour mon bien. Je suis assez grande pour savoir ce que je dois faire. Si oui, tu es assez grande. Pour... Mais ouais, je suis assez grande. Oui, vous êtes grande, t'es grande peut-être, mais quand t'as besoin de quelque chose, grande quand t'as mais besoin. Irresponsable. Tu sais vers ton père que tu reviens. Mais pour ça, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je... Grande irresponsable. Et alors, mais irresponsable, si je fais des erreurs, d'accord, peut-être que je vais faire des erreurs. Et alors oui, c'est mais moi à 24 ans, on ne fait plus d'erreurs comme ça, on ne fait pas un découvert de je ne sais pas combien ça à la banque. À ah, papa, là, on l'aime bien, ça hein, rien quand à c'est voir, comme ça. Ça n'a rien à voir de gérer. Tu mélanges tout, tu mélanges non, tout. Non, je mélange pas tu tout. Tu mélanges tout, si je suis désolée. Payer les études, tout. Faire ci, faire ça, et puis ensuite... Hein, ça ensuite, rien pour à dire voir. Tout ce que tu m'as dit... Attends, je remets pas en cause, je suis pas en train ici de remettre tout. En... Papa, je remets pas en cause ça ici, que tu m'as payé. Je t'ai jamais dit que c'était pas bien et tout. Ce que je remets en cause, c'est qu'on peut pas discuter, c'est que tu veux gérer aussi ma vie amoureuse, et ça, je veux pas. Je veux pas, c'est alors, tout. Alors, votre vie amoureuse, nous parlions de Frédéric, votre fils, Jacques. C'est mon fils, oui. Vous connaissez depuis très très longtemps. Depuis 10 ans, plus de 10 ans. On se connaît bien, oui. Et les choses se passent aimablement? Bien sûr, bah c'est un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami. On se connaît très bien, on se fréquente depuis longtemps. Du fait, bah, évidemment, que Jacques et mon père soient amis, on se voit très souvent. Mm-hmm. Mais c'est un ami. Et ça, ils ne le comprennent pas. Il y a bon. Des amis. Et... Pour tenter de leur faire comprendre, je crois qu'il est maintenant temps de demander à Frédéric de nous rejoindre. D'accord. Frédéric! Frédéric, bonsoir. Vous avez 26 ans, vous êtes employé de banque. Oui. Et vous êtes un ami
d'enfance de Patricia. Oui. Patricia dit qu'elle n'arrive pas à leur parler, qu'elle n'arrive pas à se faire entendre, qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre. Et vous aussi, et moi Frédéric, aussi, oui. Vous avez quelque chose à dire. J'en ai marre de tout ça, voilà. J'en ai marre tous les jours, j'entends parler que de... J'entends parler que de ce mariage, marie-toi avec Patricia, c'est... vous aimez, il décide pour nous tout le temps. Et je... Mais vous avez l'âge. Et je pense que... Arrête, Frédéric, l'âge. T'arrives maintenant à l'âge de 26 ans, il serait temps quand même. Mais je veux pas me marier maintenant. Et pas avec Patricia non plus. Le temps de quoi? Mais attends, c'est... Le temps de quoi? Ce que de vivre? Papa. Alors, ah, ils n'ont pas vécu encore. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a quand pas... ils auront des enfants, papa, y a pas ils auront une canne un pour pouvoir les élever. Mais il n'y a pas un âge, papa, il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge pour se marier, il n'y a pas un âge pour faire des enfants. C'est plus l'époque maintenant où on dit à tel âge faut se marier. Pour Frédéric comme pour moi, c'est passé, ça, c'est plus maintenant. On ne pense plus comme ça. Mais des enfants, il faut les avoir jeunes. Frédéric. Vous souhaitez que vos enfants se marient, si j'ai bien compris. Bien sûr. Frédéric, est-ce que vous pouvez parler à votre père et à moi, Michel? Moi, j'ai toujours cru qu'ils s'adoraient tous les deux. De Patricia. Oui, c'est ça le problème. Et puis en plus, bon, évidemment, on s'adore. Mais on ne va pas se marier, on n'est pas amoureux. Et Patricia ne veut pas m'épouser, moi, je ne peux pas me marier non plus avec elle. Oui, mais l'amour, des fois, ça vient après. Non, mais on se marie et puis ça vient après. Quand on est bien mais, ensemble. Alors là, vous on est bien muez, ensemble parce qu'on est amis, c'est tout. Et quand vous lisez papa. Gala ou quoi, et puis que c'est le... Michel, tout ça, là... Michel, c'est... arrête d'emmerder ta fille et moi, pareil. Ces gens-là, Frédéric. Ils ont le droit, eux. Allez-y, parlez-leur. Non, il faut que Michel arrête d'influencer mon père. Je pense que cette idée ne lui serait pas venue à l'esprit tout seul. C'est clair. Mais effectivement, cette idée lui plaît, il m'en parle tous les jours. Et j'en peux plus, je veux pas épouser Patricia. Patricia ne veut pas m'épouser, ils veulent décider pour nous. Et surtout à mon âge, encore plus, je veux pas. Je veux arrêter, que mon père arrête. Je veux pas me marier avec Patricia, je peux pas me marier avec Patricia. Et pourquoi ? Il y a une autre fille dans ta vie ? Parce que je suis homosexuel, papa. Comment ? Je suis homosexuel, papa. Tu es pédé ? Non, je suis pas pédé. Et alors ? Comment ? Je suis homosexuel, papa, c'est pas un drame. Mais je peux pas me marier, évidemment, pas avec Patricia. Elle est belle, l'éducation. Ça n'a rien à voir. Et alors, cette déviance sexuelle, là, c'est... Mais baba, ça quelle va, déviance. Arrête. Il fait ce qu'il veut. Je peux plus parler. Ça va, ça, c'est pas grave. Je suis désolé, papa. Frédéric, vous ne souhaitiez pas le dire à Michel. Non, je ne le fais pas. Mais vous nous aviez dit, c'est mon secret, je ne veux pas le dire. Et ce soir, vous le dites, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est le seul moyen pour les faire arrêter. Ils sont bornés, ils n'ont que ça en tête, c'est leur idée du moment. Et je crois que c'est le seul moyen pour que. Nous on pensait, seulement à votre bonheur. On n'a pas besoin, on est très heureux. On est très heureux, papa. Je suis très heureux. Voilà, Patricia. Vraiment, tu tombes les bras. Hein. Un garçon fait... comme toi, travailleur, tout, là, la banque et tout. Il n'y a pas avec beaucoup de rapports. Tu... Vous étiez au courant, Patricia? Vous étiez au courant? Oui, je le savais. Je ne pensais pas que c'était pas le sujet de le dire maintenant, mais je le savais, oui. Et Patricia, tu étais au courant? Bah oui, on Patricia, est très amis. Vous avez souhaité venir ici Uniquement parce que Michel et Jacques, vous menez la vie un peu difficile. Très difficile. On tombe dans un autre problème. C'est le problème entre Frédéric, son papa et sa vie. On vous souhaite à tous les deux du bonheur. J'espère que les papas comprendront. Florence et Delphine vivent heureuses depuis 5 ans. Subitement, l'une se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Elle va oser le dire à l'autre. Elles sont là. Florence a 29 ans. Elle se sent femme. Elle est femme. Elle souhaite s'assumer en tant que femme. Elle vit avec Delphine depuis 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, tout allait bien. Ce soir, Florence se retrouve sur ce plateau pour parler ouvertement avec Delphine, pour lui révéler ses secrets cachés. Car maintenant, ça va savoir.
Florence, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 29 ans, vous êtes vendeuse. Florence, vous avez souhaité venir ici parce que vous avez quelque chose d'important, de grave. Oui. À dire à Delphine, avec qui vous vivez depuis 5 ans. 5 ans d'un vrai bonheur, 5 ans d'un véritable amour. Oui. Et puis aujourd'hui, quelque chose probablement ne va pas ou ne va plus, et vous souhaitez lui dire. Quelle est votre histoire ? Voilà, j'attends un enfant. Je suis enceinte de 2 mois et Delphine n'est pas au courant. Delphine, c'est votre compagne depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Donc moi, j'ai toujours eu une envie de maternité, un besoin d'enfanter et j'ai jamais pu en parler avec Delphine parce que elle est un petit peu. Enfin, j'aime Delphine, je l'aime beaucoup, mais c'est un petit peu difficile de parler avec elle. Et dès qu'elle n'est pas d'accord, c'est le blocage, quoi. Donc j'ai fait un peu mon chemin dans ma tête et j'ai un très bon ami qui s'appelle Jean-Claude, qui lui-même est homosexuel et que je connais. Je comprends. Excusez-moi, oui. Je vais essayer de comprendre. Florence, vous vivez avec Delphine, oui, depuis 5 ans. Oui. Vous êtes amie homosexuelle. Oui, voilà. Okay. Et maintenant, vous attendez un enfant. Oui. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez souhaité avoir un enfant que tout ça va arriver, que tout cela arrive. Oui. Ou parce que vous avez rencontré quelqu'un ? Non, non, je n'ai pas du tout rencontré quelqu'un. J'ai choisi de faire un enfant avec un autre homosexuel, pour qu'il n'y ait pas du tout d'ambiguïté, d'accord. Je ne suis pas du tout attirée par les hommes ni intéressée par les hommes. Ouais, mais vous avez envie d'être maman. Voilà. Ouais. C'est une envie. Mais c'est une envie, c'est plus fort que moi. J'adore les enfants, j'ai toujours souhaité avoir des enfants. Et maintenant, on parle de l'adoption pour les homosexuels. Et moi, j'ai choisi de faire avec un autre homosexuel pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que j'aime mon ami. Mais j'avais envie d'un enfant et je ne savais pas comment lui dire, je ne savais pas comment faire. J'ai choisi de le faire avec quelqu'un qui va assumer la paternité, mais avec qui il n'y a pas de rapport amoureux, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Donc vous avez choisi un père, un presque d'honneur, et vous souhaitez ce soir le dire à Delphine, qui n'est au courant de rien. Non, et j'ai un peu peur. Et vous, c'est votre féminité qui a parlé lorsque vous dites j'ai envie d'avoir un enfant, c'est la maman, c'est le côté maman, c'est ce bonheur-là que vous avez envie de vivre et d'avoir. Essayez de nous expliquer, parce que c'est un peu compliqué, peut-être. Bah oui, mais mais je suis une femme comme une autre. Et il est arrivé un moment dans ma vie, j'ai trouvé que la vie sans enfant, c'est comme si je ratais ma vie, quoi. Et je sais que Delphine, elle va avoir du mal à le comprendre, mais pour moi, être une femme sans enfant, c'est pas être une femme, quoi. D'accord, vous dites que Delphine va avoir du mal à le comprendre. On va bien voir. Delphine ! Delphine, bonsoir. Ah, bonsoir. Vous avez 34 ans, oui. Vous êtes animatrice dans un centre culturel. Oui. Florence a souhaité votre présence ici, oui, parce qu'elle a quelque chose à vous dire, quelque chose qu'elle n'arrive pas à vous dire chez vous. J'attends. Elle ne sait pas du tout comment vous allez réagir, comment vous allez vivre cette nouvelle. Je vous laisse, Florence, Delphine. Ça parle. Je pense que tu vas être un petit peu étonnée. Je suis enceinte de 2 mois. Et j'ai fait cet enfant avec Jean-Claude. Enfin, je l'ai conçu avec Jean-Claude. Vous connaissez Jean-Claude, Delphine ? Oui, oui, je connais Jean-Claude, oui, oui. Excusez-moi, oui, mais bon. C'est ça, la surprise ? Oui, oui. Elle vous a dit que c'était une surprise ? Oui, oui, elle m'a Écoute, dit que c'était une surprise. En fait, voilà, j'ai choisi de te le dire ce soir parce que je ne savais pas comment te le dire et je savais que tu allais te braquer. Tu as trouvé un bon moyen, je trouve. C'est excellent comme moyen, Florence. Merci. Merci. Oui, et on peut savoir depuis combien de temps tu es enceinte ? 2 mois, je viens de te le dire. Tu es enceinte de 2 mois. Et pas trop tard. Et j'ai décidé de le faire. Attends, attends.
C'est quoi cette nouvelle? C'est quoi qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est une blague. Je suis en train de te dire que j'attends un enfant, que je veux avoir un enfant et que je ne vais pas avorter. Et on peut savoir d'où te vient cette idée? Comme ça, tout d'un coup, tu as envie d'être enceinte? Non, j'ai toujours voulu avoir des enfants et tu le sais très bien et tu n'as jamais voulu en parler. On vit ensemble depuis 5 ans? Non, je suis désolée, Florence. Tu ne m'as jamais dit que tu ce désir d'enfant. De toute façon, je ne veux pas entendre ça. Parce que tu ne veux pas entendre les choses. C'est toi qui décides de mais tout. Et attends, alors là, pour le coup, excuse-moi, mais tu me mets devant le fait accompli. Ben oui, parce qu'avec toi, c'est pas possible de faire autrement. Je n'arrive pas parce à y croire. Parce que, Delphine, je sais très bien que si je t'en avais parlé avant, tu m'aurais découragée par tous les moyens, que j'aurais pas eu la force de le faire. Évidemment, évidemment, on est très bien ensemble. On vit ensemble depuis 5 ans, c'est le bonheur parfait, on est parfaitement heureux. Oui, mais c'est parfait pour toi, mais pour moi, il manque une chose essentielle, c'est d'avoir un enfant ensemble. Comment tu peux me faire un truc pareil? Comment? Et puis d'abord, comment tu vas l'élever, ce gamin? Comment tu vas faire? Je sais pas. Avec ton boulot de vendeuse, là, comment tu vas faire? Dès que... Dans deux mois, il sera né, et après, il va aller à la DAS, ce gamin. Mais pas du tout. Mais elle est incapable, elle est complètement immature. C'est pas vrai du tout. T'es complètement immature, ma pauvre fille. C'est pas vrai du tout. J'ai longtemps, tu vois, voilà. Attends, j'ai un truc que j'ai pas intégré. Tu l'as fait avec qui, ce gamin? Tu l'as fait avec qui? Avec Jean-Claude. Arrête de me prendre pour une gamine, je suis pas une gamine. Jean-Claude, mais Jean-Claude, il est gay. Ben oui. Mais je... Jean-Claude, je ne l'aime pas, je voulais un enfant, c'est toi que j'aime. Attends, tu es toi-même homosexuel, mais attends, il existe des techniques. L'insémination artificielle, par exemple, la fécondation, je ne sais pas. C'était trop dur et je voulais que cet enfant, il ait un père, il connaisse son père. Ah bon, et tu t'y as pris à combien de fois pour le faire? Combien de fois ça a duré, ce truc-là? C'est vraiment... Voilà. Je ne t'ai pas trompée, Delphine. C'est un autre sujet, peut-être. Comment tu as pu me faire ça? J'y crois pas. Je crois que Delphine, vous ne comprenez pas très bien ce qui a poussé Florence à souhaiter un enfant. Vous ne le comprenez pas vous-même? Non. Je suis sidérée. Je comprends pas qu'elle ait pu. Enfin, faire un enfant, effectivement, c'est quelque chose qui pour moi est difficile à entendre. Mais qu'en plus elle m'ait trahi comme ça, qu'elle ait couché avec un mec, qu'elle m'ait caché ça et qu'elle me l'annonce comme ça, je me sens complètement trahie et je... Mais comment et je, tu voulais, je, comment... comme, je t'en veux, mais tu peux pas savoir, je t'en veux. C'est ça, vas-y. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, parce que vous voyez comment elle réagit. Je comprends, Florence. Mais le plus simple, peut-être pour lui expliquer, est-ce que ça ne serait pas de demander à Jean-Claude de venir le dire? Jean-Claude! Tu la touches pas, là, s'il te plaît. Jean-Claude, vous avez 32 ans, vous êtes fonctionnaire. C'est ça, oui. Vous êtes donc célibataire, on a entendu le début de l'histoire. Florence a souhaité votre présence, votre témoignage, pour dire qu'elle souhaitait un enfant avec vous, parce qu'elle savait que vous alliez assumer cet enfant. Ah oui, absolument. Moi, de toute façon, c'est vrai que c'est un désir que j'ai aussi depuis longtemps. Moins fort, parce que bon, je ne suis pas une femme, donc évidemment, c'est pas aussi Delphine, fort. Ça va. Mais bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps avec Flo, et on en a parlé beaucoup. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a tout envisagé, et puis, Vous avez pensé à l'enfant, surtout? Oui, alors ça, on y a vraiment beaucoup pensé, parce que... C'est la seule question que j'ose vous poser. Non, mais c'est vrai Attends. Je vous écoute, Jean-Claude. C'est vrai que c'est pas une situation facile, c'est pas une situation courante. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté là-dessus. Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup penché sur la question parce que on fait pas ça à la légère, on fait pas ça. Mais on s'est dit d'abord, c'est l'amour qu'on va pouvoir lui donner à cet enfant. Vous aviez aussi ce souhait d'avoir un enfant. Ça fait partie de une solution de la vie. Oui, c'est vrai que dans ma sexualité, c'est évidemment compliqué. Ça nous prive finalement de la possibilité d'avoir des enfants, de les élever, de les aimer. Alors, on réfléchit, on se dit, est-ce que pour l'enfant ce sera bien, est-ce que ce sera pas bien? Et c'est vrai qu'on est arrivé à la conclusion que d'abord c'était l'amour, quoi. L'amour qu'on pouvait lui donner, qu'il pouvait recevoir.
Et que ça, ça remplace toutes les situations. On voit beaucoup de couples hétérosexuels où l'enfant est mal aimé. Et je me dis, bon... C'est un enfant qui est désiré, c'est pas un enfant... Très désiré. Et est-ce moi, que vous comprenez mieux, Delphine? Là, je fais quoi, moi? Hein, c'est ça? Tu me règles de ta vie? Pas du tout. Ça y est, et l'amour que j'ai pour toi, tu en fais quoi de l'amour que j'ai pour toi? Mais hein, c'est toi que j'aime, c'est pour ça que j'ai fait ah cet oui, enfant. Ah oui, c'est pour ça que tu me fais un enfant dans le dos? Je te fais pas un enfant dans le dos. Je sais pas comment te le dire. Et alors moi, je te dis que je n'en veux pas cet enfant. Et tu fais quoi? Tu me dis quoi? Je te dis. Alors tu me quittes, voilà, c'est ça, non, tu te casses. Je ne te quitte pas. Je te dis qu'il faut que tu alors acceptes. Alors tu te fais avorter? Non. Tu te fais avorter? C'est hors de question. Mais attends, tu crois qu'il va venir chez nous, lui? Delphine, Delphine, attends, toi, tu n'existes Delphine, pas. Je crois. Tais-toi. Je crois, Delphine, que tu confonds beaucoup de choses. Je ne veux pas t'entendre. Je crois que tu confonds beaucoup de choses. Et je crois que tu n'écoutes pas. Très concrète. Tu n'écoutes pas la liberté de Florence. Tu l'étouffes. J'adore monsieur le donneur de leçons. J'avoue que là, tu mets pas de champagne. Hein. Parce que, non, mais attends. Dans ton côté moralisateur, je te trouve splendide. Hein. Splendide. Vraiment, bravo, attends, t'as bien choisi le père. Il prend ma défense parce que, oui, parce que c'est, défense, parce que c'est oui, difficile de parler avec toi, Delphine. Et si j'en arrive à une extrémité alors, pareille... Alors c'est difficile de parler avec moi, alors tu me parles pas du tout. Comme ça, c'est ça. Mais oui, parce que dès que j'essaye de parler de quelque chose, tu me coupes. C'est toi qui décides de tout, c'est toi qui gères tout, c'est toi qui m'infantilise. Eh ben, et moi, j'ai pas besoin d'être une enfant, j'ai besoin d'être une mère. Et tu comprends ça, tu veux même pas envisager la situation. Oui, parce que je l'ai réfléchi. Ah ouais, et je t'aime d'accord, quand et même. Alors on vit en couple cet enfant, depuis 5 ans et toi, ça te gêne pas? Tu prends une décision grave et importante sans moi. Parce que j'étais malheureuse, c'était plus fort que moi. J'y ai réfléchi, ça fait des années que j'y pense. Et que toi, tu m'as toujours dit que je n'aime pas les enfants m'énervent, je n'aime que ma chienne. Voilà. Tu vois, tu n'acceptes pas le dialogue, tu n'acceptes pas. Attends, tu me mets devant le fait accompli, tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu voulais que... Et elle, est-ce qu'elle doit brider sa liberté pour toi? Est-ce qu'elle doit obligatoirement renoncer à son désir le plus fort, qui est d'avoir un enfant? Il faut que tu comprennes, Delphine, que mon bonheur, que je ne peux être heureuse qu'en ayant un enfant. Elle est jalouse. Jean-Claude. Pour qu'on comprenne bien l'histoire, est-ce que vous avez décidé d'assumer cet enfant? Absolument. À 100%? Absolument, à 100%. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je préférerais... Parce que c'est ça que j'essaie de comprendre ce soir. Que son couple tienne, parce que c'est vrai qu'elle aime Delphine, et ce serait triste, ce serait vraiment dommage que ça casse par manque d'ouverture d'esprit, excusez-moi de le dire, mais c'est un peu ça quand même. Ce serait vraiment triste, moi je préfère que ça s'arrange. À ce moment-là, moi je serai présent. C'est vrai que bon, moi j'ai une vie de célibataire, etc. Moi, on a pensé ça comme ça. Je passerai, je serai son père. Je lui dirai, ça c'est certain. Et je pense que c'était la meilleure solution. On fera pas un style garde partagé. On va pas faire comme les parents divorcés. Donc si Delphine acceptait de vivre et de continuer à vivre avec Florence, c'est ce que au fond vous souhaitez, Florence. Bien sûr. Vous accepteriez d'être le papa? Oui, on ne vivrait pas dans le même endroit, mais je serais souvent là. C'est-à-dire que donc cet enfant, il aurait un père, il saurait qui est son d'accord. père. Il et je serais présent, dans sa vie. Et toujours avec ce que je dis, c'est tout l'amour que je peux lui donner, et j'en ai beaucoup à donner, je lui donnerai. Florence, vous attendez maintenant, au fond, c'est la réponse de Delphine. Vous pouvez prendre le temps de discuter, peut-être. Jamais. Delphine. Moi, j'ai de l'amour pour toi. Mais moi aussi. Non. Non, toi, c'est pas du vrai amour. L'amour, c'est toi, respecter la liberté d'autrui, déjà. Déjà. C'est commencer par respecter la liberté d'autrui, l'amour. Et quand on aime l'autre, on le prend comme il est. Tu dois comprendre, Delphine, que mon bonheur passe par là. Et tu l'as fait pour nous aussi. Je trouve ça horrible, ce que tu viens de me faire subir. Après, si vos désirs sont incompatibles, c'est peut-être qu'il faut mieux se séparer. Delphine, si nous comprenons bien, votre réponse, c'est non? Non, je veux pas d'enfant. C'est leur vie. C'est leur vie. C'est leur décision. Florence, peut-être arriverez-vous à faire changer Delphine d'avis, je ne sais pas. Jean-Claude,
vous avez dit que vous assumerez cet enfant. Je pense que c'est bien. Bonne chance. Maintenant, l'heure est venue, le moment est venu des questions, des réactions du public. Réaction, question du public. Qui veut poser la première question? Monsieur. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Ouais, moi, ce serait une question pour les deux parents, là. Michel et Jacques. Voilà. En fait, je voudrais vous demander si un jour vous avez décidé de rajeunir un peu dans votre tête. Je pense qu'on a l'âge qu'on a, hein. On a été jeunes. Ouais, mais vous pouvez peut-être avoir des idées nouvelles, tout simplement, quoi. Des idées nouvelles? Bah ouais, on vit dans une autre époque. Et ça donne quoi, les idées nouvelles? Bah, je sais pas, on vit dans une autre époque. Votre fille, elle a envie de vivre sa vie comme elle veut. Après, votre fils, c'est pareil, il veut vivre sa vie comme il veut. On va aller défiler à la Bastille dans les... Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Hein? Pourquoi revenir 3 siècles en arrière? Ça sert à rien. Moi, le rôle des parents, c'est d'éduquer ses enfants, de lui donner du travail, et ensuite que le puisse avoir une vie heureuse, qu'elle puisse se marier et puis faire une vie normale. Et non pas arriver à 50 ans, se dire qu'est-ce que je fais sur Terre. Moi, je voudrais poser une question à Patricia. Tu as 24 ans, tu travailles, tu gagnes, t'as un salaire. Donc, bah, je voulais savoir pourquoi tu t'installes pas chez toi pour être tranquille. Justement, c'est ce que je pense faire. En fait, je viens de commencer à travailler. Là, okay. ça fait pas longtemps. Bravo. C'est vrai que c'est pas toujours facile de quitter un confort. Je pense confort. Que si t'as besoin encore de... S'il vous plaît. Si t'as des ennuis, tu viendras voir papa. Non, c'est pas du tout, c'est pas... Moi, en fait, c'est ce que je veux dire, ça s'adresse aussi bien aux parents, enfin au père qu'à Florence, je crois. Je pense que pour vous, pour vos enfants et pour vous, pour votre ami, quand on veut le bonheur de ses enfants et de son ami, on en discute un petit peu et on fait des concessions, ça c'est valable des deux côtés. Donc, voilà. Bonsoir, je voulais poser une question au monsieur qui est au milieu. Quoi. Votre père, je voulais savoir s'il allait accepter... Le père de Frédéric, c'est voilà. Jacques alors. Jacques, ouais. Si vous allez accepter votre fils maintenant qui vous a avoué ce qu'il vous a caché. Oh non, j'accepte pas. Mais pas du tout, alors. Maintenant, je considère que ma famille, elle est déshonorée, au contraire. Faudrait... Moi, je pense qu'il faudrait un petit peu évoluer. Pour moi, c'est une tare, ça. Donc moi, ce serait pour vous poser une question à la jeune fille en violet. Donc ce serait pour... À Florence. Pour si vous avez apprécié la relation hétérosexuelle. Ça vous a changé d'avis? Non, pas vraiment. Non, mais... Non. C'est très technique. Bah, vas-y, raconte. On veut les détails. Non. On est très amis, tous les deux. Et, depuis 10 ans. Et c'est vrai que... Bon, ça facilite dans le sens où la tendresse, on en a beaucoup, l'un pour l'autre. C'était comme un gros câlin, quoi. Voilà. Oh, bah, bonsoir. Donc, cette question serait pour le père de Frédéric, Jacques. Maintenant que vous avez appris que votre fils est homosexuel, en quoi ça change votre relation? C'est depuis des années... Je ne savais pas qu'il était. En quoi ça change? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je considère ça presque comme une maladie, une tare dans la famille. C'est pas le cas. De nos jours. Dans la famille, on n'a jamais. C'est la première fois que ça arrive. Et alors? Il est très bien dans sa peau. L'important pour des parents, lui, il est bien dans sa peau, mais pas moi. Vous le serez après, avec le temps. C'est moi qui ne va pas être bien dans ma peau. Mais de nos jours, par exemple... Mon rêve, c'était d'avoir une belle fille. Une belle fille à la maison. Par exemple, regardez, dans ce cas-là, vous pourrez peut-être en avoir une. D'avoir une vie normale. Et aussi avoir un petit... Avoir des petits-enfants. Il est facile de discuter quand on n'est pas concerné. Moi, j'ai des amis qui sont homosexuels, je connais le milieu. Donc, ça ne me pose aucun problème. Vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit, il faut changer. Quand les personnes sont concernées, après, elles changent d'avis. Mais ça ne vous regarde pas non plus, d'ailleurs. Oui. L'importance, quand on fait des enfants, quand on veut des enfants... C'est d'avoir des petits-enfants. Non. En étant homosexuel... Ça n'a rien à voir. En étant homosexuel...
en étant homosexuel, j'aurai jamais de petits-enfants. Il va pas faire un... Avec qui il va faire un enfant? Alors là, monsieur... Merci. Monsieur, je crois que, vous voyez, on peut être homosexuel et faire des enfants. Hein. C'était une sorte de conclusion aussi, je crois. Il y a ce qu'un homme peut dire, écrire, comprendre. Il y a ce qu'un homme comme vous, moi, pouvons ressentir. Mais il y a aussi ce que nous ne pouvons pas comprendre, ce que nous ne pouvons pas décrire, ce que nous ne pouvons pas vivre, ce désir de maternité que Florence vient de raconter, le désir plus fort que tout, plus fort que l'amour qu'elle avait pour Delphine. Les pères trop autoritaires ou les mères trop « je t'aime trop mon enfant » devraient peut-être se poser la question de leur responsabilité face au comportement de leur garçon trop garçon ou de leur fille trop fille, plutôt que de s'occuper du « quand dira-t-on ». Et ça va savoir. Bonsoir.